Dernière chose. Ouais. Tu te sers de fusil? Ah ouais, c'est le... Si oui, il faut que t'ailles voir notre armurier, ouais. Rupert. C'est un as. Il peut fabriquer une arme à partir de n'importe quoi. Un silencieux me serait plus utile. C'est vrai que ça, c'est... Mais je le trouve où, ce Rupert? C'est un peu le souci. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans son atelier. Dodo. C'est son appartement. Ok, je vais voir. Je fais du dodo, mec. Non, mais... Ah ouais, Wolfie, je sais, je sais. Allez. Non. Mais ça, putain. On t'a des esquives des fois. Ta gueule! Putain! Non! Non! Oh non, c'est... Non! Non! Moi, je suis tranquille. Là. Là, je vais arriver comme un kirikou, là. Tant que j'arrive... Avec une main... Tout est possible. Poste à côté. Ouais, je joue avec une main, là. Trop compliqué, c'est de monter en haut, là. C'est bon, t'es calme. Putain, j'ai pas pillé. Alors, je dois faire quoi? Prends l'ampli. Tu dois l'installer le plus haut possible si nous voulons passer outre le brouillage. Ok, si je comprends bien, ah, merci, là, tu vas me demander d'aller jusqu'à cette antenne géante au bout de la ville. Le plus rapide est de passer par les égouts. Savi te guidera par radio. Contacte-le quand tu seras de l'autre côté. Et Crane, quand tu installes l'ampli, mets la bonne fréquence sur ta radio et le monde entier t'entendra. Je l'espère. À bientôt, Troy. L'ampli, là, tu attendras peut-être. Garde. Hein? Ah merde, mais ici on peut pas regarder. Bah viens, prends le tyrolienne. Les armes que j'ai. What? C'est un sabre en bois? Non, c'est une boîte de cricket. Ah! Modifié. Ah ouais. Ah, ça prend pas feu ton truc. Et. Il y a tout avec le feu. Bon, les grandes par contre. C'est pas nom de chivalerie. Modifié. Et ben... Électricité et brûlure. Hein. La batte de cricket, c'est brûlure et impact. Parce que ouais, même mon bouclier, je l'ai un peu... Je l'ai changé. C'est bon, changer la quête, j'ai mis... Ah ouais... Je sais pas s'il y a un truc de dessus, mais... J'ai pas vu, je vois juste le... Non, je vois un bouclier normal, c'est tout. Parce que quand ça. Enfin, je sais pas s'il faut que j'appuie au bon moment ou quoi, mais y a, ça fait genre un impact quand ça. Impact. Quand je me protège. Moi j'aime bien. Je suis niqué. C'est la quête principale ça? Non, j'ai changé, j'ai mis celui-là. Déjà fait celui-là. Ah ouais? Ouais. Mais c'est considéré comme dans. De quoi? Dans l'histoire. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, je peux faire des assassinats aussi maintenant. Une hachette floutée, j'en veux pas. Genre, y'a pas un zombie? À côté, si, mais attends. Là, regarde là. Pas les zombies, Ouais. Ah, mais c'est même pas des zombies, bah je peux les faire aussi. Bah, vas-y, vas-y. Fais pas ta mijo. Putain, j'ai pas eu. Nickel. Attends.
T'as, oh, t'as plus de vie, gars. De quoi t'as peur? Si. Attends, je vais retenter. Désolé, ils sont un peu plus près, on va dire. C'est quoi ça? Oh, BAM! Assassin's Creed, là. Vraiment. Ah, voilà, tu peux faire ça? Ah merde! Tu vas le voir. Tu peux faire ça jusqu'à ce qu'il crève. Voilà. Ouais, c'est one shot ça normalement. Il y en a un autre. Voilà. Oh là 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 là, tu s'attends là pas. Dans le coin, il est violé. Ah, en plus, c'est une caisse. Oh bah, fuck la caisse, imagine. Voilà. Dodo! Bijou volé, caisse humanitaire. Humanitaire carrément, moi je prendrai après. Eh! Hey, rendez-vous à l'appartement de. Ouais, putain, y'a un truc d'enfant ici. Ouais. Je crois que c'était en bas. Ah, c'est déjà fouillé en plus. Déjà passé par là? Je crois pas. Oh bah c'est... Qui es-tu? Putain, il y a une belle dégaine. Je reviens. Oh, je suis passé proche. Je m'appelle Crane. Je voudrais voir Rupert. Non, tu voudrais voir un armurier. Et cet armurier s'appelle Rupert. D'accord. Je voudrais voir pour des modifications d'armes. Tu travailles pour Rice? Non. Ah, c'est déjà ça. Mais j'attends le retour de ma femme, Jasmine. Tant qu'elle sera pas là, je ne bouge pas d'ici. Ça fait longtemps qu'elle est partie? Non. Alors elle ne va sûrement pas revenir tout de suite. Et ces gosses-là, leurs parents, ils sont... Morts, j'espère. Je n'ai qu'une peur, c'est qu'un jour un des gamins regarde par la fenêtre et tombe nez à nez avec son père ou sa mère transformé en zombie. Ce jour-là, je sais pas ce que je ferai. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité, plus ou moins. Qu'une force maléfique s'était emparée de la ville, et que j'étais un magicien qui pouvait les protéger. Une sorte de jeu qui ne s'arrête jamais. Jasmine ferait ça mieux que moi. Je suis armurier, pas psychologue. Je me demande à quoi je joue avec ces bêtises. Tu t'en sors plutôt bien, je trouve. Pas franchement. Il y a une petite, Alia. Elle est diabétique et elle n'a plus d'insuline. Son taux de glycémie est horriblement élevé. Elle est déshydratée et complètement crevée. D'après Jasmine, si on ne lui trouve pas de l'insuline très vite, elle va tomber dans le coma et y rester. Et moi, je joue les magiciens. Et les gamins s'imaginent que je vais la guérir avec une potion magique. Ah, peut-être. Il serait peut-être temps que je leur dise la vérité. La magie blanche, ça n'existe pas. Lui. La noire, par contre. Calme-toi, Rupert. Il y a une pharmacie en ville. Peut-être que je pourrais y trouver de l'insuline. Sérieusement? Si tu fais ça, je t'en serais reconnaissant à vie. J'ai une radio. Si ma femme revient, je vais sans doute rentrer chez moi quelque temps. Deux au hasard, tu mais si je pars, je te préviens. Non, oui, c'est deux au hasard. On part bien. Balcon. J'ai appris, toi. J'ai appris, je suis occupé. Fais pas le con, Billy. Non, oh, t'as raison. Ah, bah, je suis une deux secondes. Vas-y. Je mange en même temps. Des piles, figurines. Oh, tu me fais peur, toi.
Je vais te bouffer. Ah oui. Ok. Je t'en prie, tu vas avoir du mal, mais... Hein. Commentaire, essaie de sauver le père de Noël. Ah, sauver Noël, putain, je... Et vous comprenez, c'est qu'il y a une notification... Ok. Je sais pas, je vais venir d'un coup. Dodo oh. Il y avait un zombie dans le placard, j'ai ouvert... par contre, c'est où? C'est en bas ou... Ouais. Pas de porte en bas. Bah là. Genre là. Ah, faut l'ouvrir. Ah ouais, ok. Non. Ah mais casse-couille, il y a un bleu. Attends. Oh putain. On rigole pas avec les bleus. Eh hey, Wolfie putain mais. Non. T'as derrière moi. Père Noël de merde. Voilà. Personne en bas en fait, quasiment. Oh putain! Hein? Je me suis foutu mon teuf dans la gueule, ça fait gaffe. Putain, muscle là, je suis en train de lever le truc. Nickel. Alors, merde, tous les mordeurs du coin vont appliquer. Ah, la sirène, c'est pas mal. Je crois que je vais me faire taper là. Ah, c'est bon. Je suis là. Oh merde, j'ouvre la mauvaise porte. Pour Agathia. Agathia. Pas d'insuline. Pour Mess. Hein? Mais pour rien, mais pour rien. Je suis un chevalier. Oh, moi je me taille. Ah, tu sors un petit par derrière. Ouais. C'est trop le bordel dans un bâtiment. Bouge là, le zombie. C'est derrière, je crois. Ah ouais, mais putain, je suis tout ça pour moi. Hey, regardez, par là. Y'a des mecs. J'en ai défoncé un. Donc, j'ai buté par l'arrière, il m'a pas vu. Tout va bien. Ah, t'as la compétence pour buter par derrière? Non, non, mais. Oh, comme la machette, il m'a pas vu. Ils sont cons, c'est tout. Tiens. Ah, y'a un bleu là. Ouais. J'ai une caisse. Oh. Oh le bâtard. Je l'ai. Là, je vais pas ouvrir une caisse tranquille ici. Il est parti où? Ok. Bah, ouais, moi je l'ai eu, il est loin. Non, mais le mec, je le tapais, c'était fait. Oh. Ah, t'ouvres ma caisse. Ouais, ta caisse. Ah,
C'est bon. Je suis sûr. Il y a trop de Père Noël. Je vois pas d'insuline. Roy, tu m'entends? C'est Crane. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gamins dans la crèche royaume magique. T'étais au courant? Du tout. On pensait qu'il n'y avait personne là-bas. Ils ont besoin d'aide? Clairement, oui. Il va falloir du temps pour envoyer quelqu'un là-bas. Compris. Je reste jusqu'à ce que quelqu'un arrive. En attendant, j'ai besoin d'insuline. Je fais la pharmacie, mais il n'y en a plus. Tu pourrais regarder si l'ordinateur fonctionne? On doit pouvoir trouver qui a acheté l'insuline en dernier. Ils ont peut-être même son adresse. Merci, Troy. Bye. Tu fais re-entrer dedans pour le Allez là, travail. Calme-toi. Rupert, c'est informatique. Rien hein. Ici. COVID-19. Et merde. Alia ne va pas bien du tout. Le temps presse. J'ai trouvé un reçu. Apparemment, un certain Ekrem Boskurt a acheté une grosse quantité d'insuline. Tu connais ce type? C'est le père d'Alia, Ekrem. L'insuline est peut-être encore chez eux. Leur adresse devrait se trouver sur le reçu. Je vais aller voir. Bah, le niveau des vite fait. Oh, il y a une fenêtre. Wow. Tranquille. Arika, je pars chercher les médicaments d'Alia à la pharmacie. Je passerai ensuite à la pizzeria et j'irai récupérer Alia à la crèche. On devrait être rentré pour 18h. Je t'aime, ma chérie. Et Crème. Il est bien allé à la pharmacie, mais il a pas récupéré sa fille ensuite. Rupert, où se trouve la pizzeria Farhat? Quoi? L'adresse, donne-la-moi. Très bien. Elle se trouve près de la crèche Royaume Magique, sur la rue Marchande. Oh. Un bleu! J'arrive, j'ouvre une pharmacie. Oh, ok. Voilà. Tiens, dans ta gueule. Ah, déjà arrivé. Zombie qui a essayé de... Par contre, je sais pas du tout. C'est pas en dessous. Non, pas le coureur, c'est bon. Oui. Merde. Quoi? Bah je suis en train de faire un coffre. Ok, les manches, je suppose une patate. Bah merde. Je sais plus où il faut le ramasser. Ah là. Non. Le père, ah, faut trouver le père, le mort. Ah, là, il y a une porte, mais on peut pas l'ouvrir. T'as vu, il est caché. Yo, fils de pute. Ah, là, où? Là, je suis en train de. Ah, mais je crois qu'il est encore vivant. Ah, non, il est mort.
C'est bon. J'y rush comme jamais. Oh. Ah, t'es violent en fait. Hein. Parcours. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à en trouver. Elle va s'en sortir? Oui, avec ça, c'est bon, elle va s'en sortir. Je me charge d'Alia. Tu pourrais occuper les autres gosses pendant ce temps? Ah ouais. C'est que j'ai pas mal de choses à faire. Va leur parler. Secondaire. Je leur ai dit que t'étais un grand guerrier, un chevalier, un truc du genre. Vraiment? Et ta femme, elle revient quand? Ça va aller, t'inquiète. J'en ai pas pour longtemps. Les enfants, le guerrier héroïque est revenu avec une potion magique pour Alia. Il va rester avec vous pour vous protéger pendant que je m'occupe d'Alia. Eh, attends un peu. Ce ne sera pas long. Putain. Heureusement qu'on n'est pas obligé de rester. Hein. Il y a même une quête pour les gosses. Bah ouais. Oui. Venir s'occuper des gosses, c'est ça? Maintenant? Comme tu veux. Non, je voulais manger, t'en prie.